Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission ActuBuzz. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir très nombreux à suivre cette émission axée sur l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous ferons aujourd'hui les points sur deux principaux sujets. D'abord, les dossiers CENI. Les trois délégués de l'opposition ont prêté serment devant les juges de la Cour constitutionnelle. Les bureaux CENI affichent désormais complet. Place maintenant à la bataille électorale. Nous attendons la rentrée parlementaire pour tabler sur la prochaine loi électorale. Et pendant ce temps, c'est Fayulu et Mouzito qui continuent de décrier la manière cavalière du régime en place de procéder. Les FCC également dénoncent cette façon de fonctionner de la CENI. Est-ce qu'on aura des élections crédibles? C'est la grande question. Et on va aussi faire les points sur cette histoire qui s'est passée à Kingabwa, dans la résidence de Jean-Marc Kabound à Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président AI de l'UDPS. Il a été visité par les éléments de la garde républicaine. À la base, une altercation qui a eu lieu mardi entre la garde rapprochée de Jean-Marc Kabound, composée essentiellement des policiers, et un élément de la garde républicaine qui s'est vu être désarmé par la garde de Jean-Marc Kabound. Cette humiliation a suscité de la colère dans les rangs de la garde républicaine et elle a passé à l'action. Vous avez vu les images. On va essayer au cours de cette émission de revenir sur cette question afin de tirer les responsabilités sur ce qui doit être fait. Sur ce plateau, je reçois M. Wilson Mounzemba. Il est analyste politique proche de l'Union Sacrée, mais lui, il s'est dit proche du président de la République seulement. Bienvenue. Merci beaucoup, Hervé. Je salue tout le monde. Je salue tous les fidèles téléspectateurs de Congobase Télévision. J'ai dit aussi bravo et félicitations à Sabo Sembe par rapport à son déménagement. Je vois que nous avons un nouveau studio, nous avions tout qui est presque pimpa neuf. On est encore en plein chantier. Aussi bien qu'en plein chantier, mais ça promet. Et puis, je tiens vraiment à vous féliciter personnellement. Je crois que la fois passée, je vous ai dit, il y a des échos qui viennent de partout au sujet de tes émissions, de tes prestations. Et moi, je me retrouverai dans l'obligation de vous les rendre pour dire que bravo par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en dehors de ça, vous arrivez aussi à édifier la population pour avoir la bonne information. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, ça va. On tient si bien qu'il y a des remous partout dans la République. La République est devenue plus presque scandaleuse chaque jour. Où il y a des événements, comme vous l'avez dit tout à l'heure là. Des événements déplorables, décevants, trop de scandales. Je me pose la question, nous sommes dans quelle République? Des scandales qui impliquent des hommes qui sont censés nous gérer, malheureusement. Évidemment, nous constatons ensemble avec vous que nous n'avons plus des hommes d'État, nous n'avons que des hommes politiques. Parce que les politiques ne vivent que du sensationnel. Mais les hommes d'État projettent ce que nous voyons avec les chefs de l'État, lui-même personnellement. Mais Antoine Félix Tshisekedi, qui projette l'avenir de la République démocratique du Congo, il s'est dit, nous devrons ressusciter la République, nous devrons réveiller la République. Et c'est ça le devoir qui s'est donné comme objectif, parce qu'il a un contrat social entre lui et la population, de rendre compte à la population, de voir comment la République marche. Et il a l'obligation, effectivement, de satisfaire aux besoins sociaux de la République, de la population. C'est un devoir, c'est un travail qui est de longue haleine, évidemment, parce que le pays est dans les gouffres. Faire ressusciter une nation n'est pas facile. Si aujourd'hui on te donne une société qui est canard boiteux, à relever l'économie ou les portefeuilles de cette société-là, ça sera difficile. Donc, ensemble, moi, je vous qui êtes aussi leader d'opinion, nous sommes obligés d'expliquer à la population qu'est-ce qui se passe réellement. Très bien, on va parler de l'actualité. Les trois délégués de l'opposition, entre guillemets de l'opposition, parce qu'ils sont contestés par leur famille politique, ont prêté serment devant les juges de la Cour constitutionnelle. Vous avez également suivi les mots de Denis Kadima, président de la CENI, adressés à l'équipe qui travaille avec lui. De manière globale, est-ce que vous pensez que les processus d'abord qui a conduit à la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI, mais aussi les fonctionnements actuels de la CENI vont permettre à la RDC d'avoir des élections qui vont mettre tout le monde d'accord? Dire que qui va mettre tout le monde d'accord, ça ne se fera jamais parce qu'il y a les besoins illimités de l'homme. Vous savez,
dans l'homme, il y a des sentiments et des humeurs. Et vous n'allez pas dénier à quelqu'un d'avoir un sentiment négatif si quelque chose qui s'organise en République démocratique du Congo. Mmh. Et surtout dans l'homme politique congolais, qu'il y a une haine viscérale en lui, qui ne veut pas le décollage de la République. Tenez, par rapport à la question électorale que nous voulons décrypter ensemble avec vous, je crois que si aujourd'hui M. Denis Kadima, président de la CENI, aujourd'hui dit que nous aurons de très bonnes élections, pour lui, en tant que technicien, il s'est dit, nous sommes obligés d'aller au-delà de nos propres sentiments. Nous sommes obligés de donner, de mouiller les maillots, afin que le peuple congolais se retrouve avec de bonnes élections. Les bonnes élections, on peut se retrouver où ? Hervé, vous n'avez pas une mémoire courte, vous savez les élections qui se sont passées aux États-Unis, à l'époque où il y avait Trump. Mmh. Mais les États-Unis, c'est la vieille démocratie. La France, c'est la vieille démocratie. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des petits soucis par rapport aux élections? Nous l'avions vu ici. Nous avions vu à l'élection de Bush aux États-Unis. Ça, ce n'est que l'histoire qui nous renseigne, l'histoire des élections dans le monde entier. Et si aujourd'hui au Congo, nous avons un petit couac qui se pointe par rapport sur le plan organisationnel, mais ce n'est pas un problème, c'est tout un processus. Je crois que nous sommes au troisième vague des élections dans notre pays. Ah ouais. Nous aurons le quatrième, le cinquième, le sixième et ainsi de suite. Donc, ce que moi je souhaiterais plutôt, inviter la classe politique à avoir la bonne foi. La bonne foi, c'est quoi exactement? D'abord, l'idéal. Est-ce que les Congolais veulent des élections vraiment? Est-ce que les Congolais ont la volonté d'aller aux élections? Parce que si aujourd'hui, nous sentons déjà des doutes en interne, donc nous présumons déjà que les gens commencent déjà à boycotter les élections avant même les élections proprement dites. Donc, on veut mettre les chariots devant le bœuf. Non, allons-y dans l'organisation. Mais vous savez, une fois, je vous ai dit dans votre micro toujours que les Congolais préparent un glissement pour Antoine Félix Tshisekedi. Nous l'avons vu à la désignation de Denis Kadima. Aujourd'hui, si la famille politique de l'opposition commence à refuser leurs membres qui sont aujourd'hui à la CENI. Mais parce que ces membres n'ont pas été délégués de manière officielle par les leaders de la plateforme opposition. Qu'est-ce que vous appelez manière officielle? Qu'est-ce que vous appelez? Qui a mandat d'être de l'opposition aujourd'hui? Qui en a? Dites-moi. Attendez un peu. Voilà. Didi Manara, qui est aujourd'hui, je crois, deuxième vice-président de la CENI, a été... Premier vice-président. Non, deuxième. Deuxième vice-président, oui, effectivement, oui. Bienvenue Ilanga. Tout à fait. Didi Manara a été désavoué par sa famille politique, vous le savez. Quand est-ce qu'on a désavoué Didi Manara? Constant Moutamba, tous ont créé une fronde. Non, ils n'ont pas créé une fronde. Ils sont membres effectifs des Front commun du Congo. Front commun du Congo, dites-moi, quelle est la base juridique des Front commun du Congo? Et quelle est la base juridique de la structure montée par AG Matembo et Constant Moutamba qui a permis à AG Matembo d'intégrer l'équipe de la CENI? Voilà, vous ne voyez que les conséquences, mais vous n'avez pas commencé à comprendre d'abord le débit de la chose. Dites-moi, depuis la nuit des temps, pendant 18 ans, nous avons vécu dans ces pays. Quand est-ce que vous avez vu l'opposition accepter d'aller aux élections en bonne et due forme? Jamais. Ça n'a jamais eu lieu. Et chaque fois, il y a toujours des cacophonies qui créent. Et cette cacophonie-là profite au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est comme dire la politique que disent les Quinois, Mbelina Yomoko et Tchoubi Yomoko Lalelo. Voilà, nous sommes arrivés là où ils ont créé une sorte de politique de la chaise vide. Nous avions vu Papa Étienne Tshisekedi quand il a refusé les élections. Ils ne sont pas allés aux élections. C'était clair. Noir sur blanc. Et la CEI, je crois, de l'époque, il y avait des vides dans sa composition. Mais est-ce qu'on n'a pas eu des élections? On a eu des élections. Les élections, c'est une école. Nous commençons, c'est un processus, quoi, je voulais dire, en fait. C'est un processus. Le processus électoral peut avoir des difficultés. Mais nous sommes obligés à aller au-delà de nos sentiment personnel. Ça, je convie vraiment l'homme politique congolais d'avoir la conscience. Parce que cette population-là que nous amadouons à tout moment avec des discours démagogiques, avec des discours déplacés, cette population-là nous regarde, nous suit. Aujourd'hui, je crois que vous n'avez pas une courte mémoire, les Congolais reconnaissent que Fayulu, à l'époque, avait refusé
la machine à voter. Mais 48 heures avant, lui-même Fayulu a voté avec la machine à voter. Même pas 48 heures avant, même les jours des élections. Même les jours des élections. Allez, mais dis-moi, c'est dans quel pays où nous sommes? Le même politique qui ont refusé la machine à voter, mais dis-moi, Antoine Félix, Tshisekedi était correct avec la population pour dire que avec la machine ou sans machine, nous allons aux élections. Voilà celui qui est plus concret. Dites-moi, c'est la Bible nous renseigne. Il y a une histoire que vous êtes chrétien comme moi. On demande à deux enfants, par leurs parents, de rendre service à son papa. L'autre a accepté, mais n'a pas fait. L'autre qui n'a pas accepté, mais il est allé faire. Où est la bénédiction? Je crois que c'est celui-là qui a pu rendre service à son papa. Et aujourd'hui, le papa ou la mère du Congo, c'est le Congo. Donc, le Congo nous demande d'aller aux élections parce que tous nous demandons les élections absolument. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas me contredire, les élections n'ont jamais développé la République démocratique du Congo. Mais pourquoi on se bat toujours pour ces élections? Parce qu'il y a des intérêts personnels. Tout ce qu'on nous a promis en 2019, où en sommes-nous? En 2018, où en sommes-nous? Quelles sont les réalisations? Dites-moi, je réveille la mémoire de Faye Mobutu ou les maréchals. Le maréchal nous a laissé la Gécamine, le maréchal nous a laissé l'Onatra, le maréchal nous a laissé les ponts maréchal, le maréchal nous a laissé la RTNC, le maréchal nous a laissé tout ce que nous avons aujourd'hui. Qui y a ajouté au-dessus? Personne. Mais tous nous avons promis, voilà, vous aurez la Suisse d'Afrique, voilà, nous avons l'Allemagne d'Afrique, voilà, voilà, voilà. Nous avons vu ici les quatre chantiers, nous avions vu les cinq chantiers, nous avions vu ici la révolution de la modernité. La révolution de la modernité. Deux mots qui se contredisent. Révolution et modernité. Voilà là où, avec des sémantiques qui nous amènent la confusion. C'est pareil aujourd'hui. Donc, ce que je demanderais, la volonté politique. Mmh. Ayons la volonté politique pour développer notre pays. Arrêtons un peu avec des élections, tant bien que mal. Aujourd'hui, je peux dire, Kadima nous dit, on aura des élections. Politiquement, oui. Mais techniquement, est-ce que nous sommes déjà à point? Je me pose la question. Est-ce que le gouvernement a déjà réservé les quotas ou l'argent qu'il fallait pour l'organisation des élections libres et transparentes? En Europe ou aux États-Unis, on nous parle que des élections. Mais au Congo, quand on parle des élections, on dit les élections libres, transparentes et démocratiques. Pourquoi ça? Les élections ont toujours été démocratiques. C'est parmi les éléments qui prouvent la suffisance de la démocratie. Donc, on n'a pas besoin d'évoquer ça en réalité. Mais pourquoi on évoque ça? Parce que nous avons des hommes qui ne sont pas honnêtes, qui sont des malhonnêtes. Donc, nous devons faire un examen de conscience. Pourquoi on doit énumérer les élections libres, transparentes et démocratiques? Pourquoi on doit les énumérer? Les élections ont toujours été libres. Si je veux voter, je vote. Parce que c'est un devoir civique. Mais si je ne veux pas voter aussi, c'est une abstention. Donc, j'ai refusé les élections. C'est pareil où on va accepter la loi de la majorité. En refusant les élections, tu vas subir la loi de la majorité. Donc, je me vois très mal. Mais moi, je souhaite qu'il y ait des élections. Très bien. Enfin, nous ayons des institutions démocratiquement élues. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons une CENI avec des personnalités très contestées. Selon plusieurs analystes et observateurs, tout est parti de la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêté qui a consacré les vagabondages politiques. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un seul parti politique dans l'opposition et au pouvoir en même temps. C'est quelque chose d'inédit. Avec cette CENI contestée, pensez-vous que Félix Tshisekedi, bon, pas Félix Tshisekedi, mais les prochains candidats qui sera élu aura la tâche facile? Donne-moi un article, je sais que vous n'avez pas la réponse à me donner, mais je pose la question à haute voix. Qui peut me donner une disposition constitutionnelle qui dit que la Cour constitutionnelle a consacré la transhumance ou le vagabondage politique? Il n'y en a pas. Et la Cour nous a dit que les députés... Jusqu'à preuve du contraire. Hervé, s'il vous plaît... S'il vous plaît, Hervé, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun politicien qui est allé ester en justice
contre une décision de la Cour. Mais vous êtes d'accord avec moi? Les arrêts de la Cour sont inattaquables. Mais justement, c'est la Haute Cour qui a tranché. Et la Haute Cour a tranché sur quoi? Sur quoi? C'est pour dire seulement, la Haute Cour a tranché sur la liberté des députés et sénateurs. Mais aujourd'hui, il y a un vagabondage pourquoi politique. On doit avoir des députés d'une autorité morale dans ces pays? Un pays qui se veut démocratique. C'est ce que le président Félix Tshisekedi refuse à tout prix. Alors, une seigneurie que vous créez. Le président refuse parce qu'aujourd'hui. Une seigneurie que vous voulez créer. Les gens sont tirés de son côté. Vous voulez encore préparer un petit dictateur, Antoine Félix Tshisekedi? Non! Allons-y avec la démocratie. Il est sorti d'une école, d'une grande école, qui est de Étienne Tshisekedi. Et cette école-là ne permet pas. Mais cette école-là donne au moins la liberté à quelqu'un de réfléchir haut et fort. Nous avions vu, paix à son âme, l'ancien député qui est décédé ici, qui était plus démocratique par rapport à tous les députés qui venaient du clan Kabila. Henri Thomas Lokondo, si ce n'est pas les cités. Paix à son âme, encore une fois. Mais non, liberté d'esprit, c'est ce qu'on cherchait aux députés. Mais c'est quoi les liens entre liberté d'esprit et transhumance politique? Mais attends, ils ont compris qu'il y avait sous forme d'une nappe noire devant eux parce qu'ils obéissaient qu'à un maître suprême. Or, l'être suprême que nous devons obéir, c'est Dieu. Et c'est Dieu-là que nous avions relégué au second plan. Voilà les Congos. Le Congo qui est allé à sa dérive suite à obéir aux individus. Et ce que nous devons quitter. Moi, aujourd'hui, député national, je prendrai l'état d'esprit comme Henri Thomas Lokondo plutôt. Parce que nous devrons dénoncer. Écoutez, moi, je suis, je vous le saviez, je l'ai dit haut et fort, je suis proche de Félix Antoine Tshisekedi par rapport à sa vision. Mais si ça ne marche pas, tel que les cas dont nous allons décortiquer tout à l'heure là, sur le deuxième sujet, vous verrez ma position. Lorsque tout ce qui est contre la patrie, je les dénoncerai. Hier, on nous a dit, toi et moi ici, que les policiers rwandais sont entrés au Congo. Hervé, dites-moi, dans quelle ville, dans quel village, dans quelle province ils sont entrés. Aujourd'hui, aucun politicien qui monte au créneau pour dire, je vous ai menti. Il n'y a personne. Pourquoi on ne veut pas être réel ou véridique envers cette population-là? Que nous voulons à tout prix demain qu'ils puissent voter pour nous. Non, je crois que l'étape de mentir et de mensonges plutôt doit arrêter. Nous sommes maintenant à l'étape de dire la vérité, rien que la vérité. Quand ça ne marche pas, on dit. Quand le pays est détruit, on dit « Mboke Koufi ». On le dit haut et fort. Vous voulez faire l'hypocrisie, pourquoi? Au moment où vous avez détruit la nation, vous avez détruit l'économie, vous avez détruit le social, vous avez détruit l'éducation. Quel est le salaire minable qu'on a donné aux professeurs, aux enseignants? Quel est le salaire minable qu'on a donné aux médecins, aux infirmiers, aux militaires, aux services de sécurité? Dites-moi, vous voulez quelle nation? Vous voulez fonder un pays sur base de sous-traitance? Je ne pense pas. Je suis à vous. Élection, on en parle. Les bureaux de la CENI continuent de poser problème. Vous avez suivi. Ça continue de poser des problèmes au cerveau des gens, mon cher ami. Je crois que ce n'est pas ce langage-là qu'on doit tenir. Allez-y. Fayulu, Mouzito, qui sont aussi des Congolais comme vous, les FCC également, estiment que Félix Tshisekedi prépare déjà la tricherie et la fraude. Il n'est pas prêt à aller aux élections. Il n'a pas un bilan à présenter. Partagez-vous aujourd'hui cet avis? Je m'inscris en faux. Je me pose la question. Fayulu, Mouzito, qui sont rassemblés dans les Lamika, donne-moi quelle est leur position juridique vis-à-vis de l'État congolais. Vous voulez toujours des positions juridiques? Mais oui. Vous savez qu'ils sont à la résistance? Oui. La résistance est inscrite où? Dans la Constitution congolaise. Voilà une aberration. Voilà un comportement que moi je condamne. Ça, c'est de un. De deux, je vais dans la famille FCC. L'unique composant que je connais, c'est M. Kabila. Moi, je l'ai dit haut et fort. Pour preuve, les membres qui sont à la CENI sont venus de quelle famille politique? C'est la famille politique de Kabila. Où est la contestation? Ce n'est qu'une confusion qui sont en train de s'aimer dans la mémoire des Congolais.
Vous de l'Union Sacrée, vous n'êtes pas... Je ne suis pas membre de l'Union Sacrée. Okay. S'il vous plaît, je ne suis pas membre de l'Union Sacrée. Vous qui partagez les avis ou la vision du président de la République, oui. Vous avez peur des élections. Parce on n'a pas peur. Fatih n'a pas un bilan à présenter au... Mais Santol Fayssegui a un bilan à présenter. Cher ami, vous serez d'accord avec moi, estimé, comme vous le saviez, hier les billets d'avion coûtaient combien pour arriver ici en Mbandaka? Hier les billets d'avion coûtaient combien pour arriver ici en plein Congo? Vous payez le même billet en sortant du Congo pour aller en Afrique du Sud. Même prix, même condition. Mais attends, vous vous moquez de qui? Hier les enseignants, moi j'ai des enfants que chaque année j'ai commencé à payer dès le début 1 500 $ où moi-même je n'ai pas ce salaire là. Dites-moi, il n'y a pas un rabais? Aujourd'hui, il y a aussi le nombre des enfants ont augmenté dans les écoles suite à la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement a été... Quelle qualité que vous voulez me dire? Moi, j'ai étudié dans les écoles de Kinshasa. J'ai étudié dans l'école du Congo. Je n'ai pas une bonne formation. J'ai une très bonne formation. C'est d'ailleurs que nous pensions qu'ils ont fait des bonnes écoles en Europe, qu'ils sont en train de voler l'argent au Congo. Vous le saviez plus que moi. Lorsqu'il y a eu des détournements d'argent ici, on en parle partout. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais attends, quel rabais de l'enseignement que vous voulez m'expliquer aujourd'hui? Vous voulez que dans les 3 ans qu'Antoine Fayssegui est allé gérer le Congo pour changer le système éducationnel du Congo, il a amené juste du tonus. Il commence par la rémunération des professeurs. Dès le mois de février, le mois de janvier, février ici, il y aura augmentation des salaires. Il y aura la prime des enseignants. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez demander les sexes des anges entre les mains de Félix Tshisekedi? Non. Cher ami, parlons-en sur les infrastructures. Aujourd'hui, il y a quelques infrastructures qu'on a déjà remis. On parle de la CENI. Mais justement, la CENI que vous voulez aujourd'hui, que tout le monde soit d'accord. Les Congolais ne seront jamais d'accord. Très bien. Parce qu'il y a la mauvaise foi et la haine viscérale. On évolue alors. C'est pour cela que j'ai dit... Ceux qui sont allés là-bas, les Manara, les autres là, ils sont habilités à y participer. Pourquoi vous voulez les élections, ils sont contraires? Parce que vous n'êtes pas prêt à aller aux élections. Antoine Félix est prêt à aller aux élections en 2023. Très bien. Alors, je vous transmets ici, ou je vous informe sur la déclaration tenue par 2 députés. D'abord, le premier, Dédé Mopassa. Il est aussi de l'Union Sacrée. Il a déclaré sur Africa News que... Il faut encore 1 an pour qu'on puisse préparer les élections et avoir un scrutin électoral qui mettra tout le monde d'accord. Il y a un autre député, son nom m'échappe, pour lui, en 2023, il n'y aura carrément pas élection. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir encore sur les années Kabila où les gens faisaient des déclarations intempestives comme ça? Ce sont des déclarations tapageuses d'ailleurs, ce n'est même pas intempestive, c'est tapageuse. Écoutez, les Congolais aujourd'hui ne jurent que par des élections. Nous irons aux élections en 2023. Les hommes de peu de foi, comme dit la Bible, les hommes de peu de foi ne vont que se contenter de leur discours. Ces députés sont de l'Union Sacrée. Ils sont avec les... Ce n'est pas tous les deux députés. L'autre, là, il y a des PPRD. Vous n'avez pas bien suivi peut-être que ça. Mais attends. Les députés qui estiment qu'on ait des élections dans une année, libre à lui. Mais ce n'est pas lui le Congo. Ce n'est pas à lui de décider. Les Congolais n'attendent pas ça de lui. Très bien. Lui, il n'a qu'un mandat qu'on lui a donné. Lui aussi justifie son mandat. De lever avoir un petit glissement pour chercher encore des moyens, on n'en a pas besoin. Il a déjà les palissades. Il n'a qu'à se connaître ces palissades-là. Il peut vendre ça. Mais attends, ça c'est moquer des Congolais. C'est moquer de la mémoire des Congolais. Les Congolais en ont marre de ce genre de discours. Les Congolais en ont marre. Lembi. Nous avions vécu Maréchal Mobutu, nous avons vécu Mouzé-Lorazé Kabila, nous avons vécu le Miwe, le silencié Kabila, et aujourd'hui nous avons celui qui communique et qui communie avec la population, Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Nous aurons les élections en 2023. Alors, dernière question pour boucler les chapitres élections. Les bureaux de la CENI affichent complet, il y a encore des contestations dans les rangs de l'opposition, de la résistance et tout ce que vous voulez. En même temps, les mois de mars, c'est la rentrée parlementaire. L'Assemblée nationale devra tabler sur la loi électorale. Une autre bataille. Comment voyez-vous aujourd'hui
ces débats au niveau de l'Assemblée nationale autour de la loi électorale. Est-ce que nous ne risquons pas d'avoir des lois taillées sur mesure comme ce fut le cas avec Joseph Kabila? Comment ça va se passer? La nature a l'horreur du vide, si c'est ça. Et lorsque il y a ce genre de débat, c'est un débat démocratique. Libre choix. Tu veux encore fouiller comme on a fouillé la loi Tchani? Non! Allons-y! Débattez! Vous êtes venu à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Pour tourner les doigts, pour attendre les palissades? Cette fois, c'est inévitable. Il faut arrêter. Il faut arrêter, chers députés. Je crois que vous avez un mandat à justifier auprès de la population. Vous avez donné mandat. Très bien. Et j'inviterai la population d'être plus exigeant, comme le chef de l'État l'a demandé, que nous devons être plus exigeants envers eux. Moi, je suis plus exigeant à Antoine Félix, c'est ce qu'il dit. Hein. Quand ça ne marche pas, j'ai dit, monsieur le président, ça ne marche pas. Et quand ça marche, j'ai dit, bravo, monsieur le président de la République, monsieur Antoine Félix, c'est ce qu'il dit. Et moi, c'est cette liberté-là que je veux auprès de nos fameux députés. De nos fameux députés, je répète cela. Parce que jusque-là, on n'a pas besoin d'avoir des lois taillées sur mesure. Pourquoi cela? Voilà les conséquences aujourd'hui. La Cour constitutionnelle a siégé sur les cas Matata. Or, en réalité, je vous ai dit ça. En passant, il y a une fois que j'étais dans votre studio ici, je vous ai dit, l'instance habilitée, c'était la Cour de cassation. Et par rapport au report que la Cour constitutionnelle a fait, aujourd'hui, Matata devrait se présenter devant la Cour de cassation, qui est son juge naturel. Quel est le faux fuyant? Suite à quoi tout cela est dit? Parce que la loi qu'on avait adoptée à l'époque prenait que la taille de Kabila. Voilà les conséquences aujourd'hui. Comme Félix Tshisekedi est trapu, gros, je crois que nous aurons aussi des lois qui seront plus gros que les républiques démocratiques du Congo. Prendre les derniers thèmes de l'émission, Jean-Marc Kabound Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président AI de l'UDPS, visité par les éléments de la garde républicaine. On reproche à Jean-Marc Kabound d'en faire un peu trop. Il a troué les pneus du cortège des Mamamart. Il a une fois comme ça troué aussi les pneus du cortège qui transportait comme ça la sœur du président de la République. Cette fois-ci, il est tombé sur un conseiller, je crois, du chef de l'État, un élément de la garde républicaine brutalisé et désarmé par la garde rapprochée de Jean-Marc Kabound. Conséquence, la révolution, la révolte, les éléments de la garde républicaine s'en sont pris à la résidence de Jean-Marc Kabound. Tout a été vandalisé. À ce jour, est-ce que Jean-Marc Kabound a-t-il déclenché une guerre avec le président de la République? Parce que nous savons tous que la garde républicaine assure la protection du chef de l'État et de sa famille. Qu'est-ce que vous en dites? L'intention de dire que Jean-Marc Kabound fait tête devant le chef de l'État, je crois que ça serait une intention malencontreuse. Mais ce qui est vrai, que c'est déplorable d'avoir des scénarios macabres se faire dans ces pays. Écoutez, ce qui s'est passé autour du vice-président de l'Assemblée nationale, c'est regrettable parce que la garde qui est dédiée à Jean-Marc Kabound, c'est la police. Okay. Dites-moi, est-ce que la police est habilitée à la police qui n'est pas la police des polices, qui n'est pas non plus la police militaire, est habilitée à désarmer un militaire de la garde présidentielle? Non. Non. Dans le commun des mortels, ça ne peut pas se faire. D'abord, c'est la honte pour la République. Aujourd'hui, toucher la garde républicaine, c'est toucher le chef de l'État. Mais plus loin, revenons un peu sur les faits. Les faits, qu'est-ce qu'on reproche aux militaires de la garde républicaine? Il a pris les sens contraires. Ce n'est pas les militaires qui étaient les chauffeurs. Qui est civilement responsable? Qui est pénalement responsable devant les juges? C'est les chauffeurs qui sont les conducteurs. Si la police devait s'en prendre, il devait s'en prendre aux conducteurs. Malheureusement, la police a confondu sa mission. Est-ce que cette police-là, qui est allée désarmer les militaires de la garde républicaine, est habilité à le faire? J'ai dit non, c'est l'infraction. C'est là où est tombée l'infraction. Et les policiers ont... Est-ce que les chauffeurs... L'ordre est venu de qui? C'est aussi la grande question. Je reviens, je fais remonter la filière. Allez-y. Les chauffeurs qui a pris la bande inverse, est-ce qu'il est habilité à le faire? Non, il y a infraction. Maintenant, à quel niveau les chauffeurs, les policiers devraient plutôt
s'adresser au conducteur pour l'inviter soit de s'arrêter et de prendre la bande comme tout le monde, soit de l'arrêter. Et c'est vrai, les policiers sont à la recherche de l'infraction. Mais vous savez, en dehors de ça, quand on a arraché l'arme du militaire, on a aussi vandalisé le véhicule. Ok. Double infraction. Je m'arrête là. Je reviens par rapport à la descente de la garde républicaine. De la garde républicaine. Chez Kabound. Cher ami, Kabound, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a des immunités où on ne peut pas s'en passer. Donc, même l'accès dans sa parcelle est déjà condamnable. Qui a intimé l'ordre à la garde républicaine de descendre à la maison, à la résidence de Kabound? Qui a intimé cet ordre-là? Et qui a donné l'ordre aux policiers d'aller arracher, d'aller désarmer les militaires qui étaient dans le véhicule? Voilà là où les Romains s'empoignent. Maintenant, lorsque le vice-président a appris que son cortège a arraché l'arme d'un militaire, qu'est-ce qu'il allait faire en homme responsable? Il allait appeler les commandants de la garde républicaine et lui faire part. C'était la moindre des choses. Et le problème allait être déjà résolu. Et la garde républicaine a été conduite à l'auditoire militaire. Est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Voilà encore une pratique qu'on pouvait bien condamner. C'est là où j'ai dit, les responsabilités sont partagées. Mais là où il y a plus de dangers, les faits de désarmer la garde républicaine, pour quelle intention? Faire face entre la garde républicaine et la police. Très bien. Et si les militaires de la garde républicaine n'avaient pas la maîtrise de soi en ouvrant sa gâchette, il y allait avoir un carnage. C'est maîtrisé. Allez, ça c'est déjà un point fort. Je dis bravo à ces militaires-là qui s'est conduit en responsable. Mais ce que je condamnerai à la police pour dire que je crois qu'il est temps. Le recrutement de la police doit se faire vraiment en âme et conscience. Très bien. Voilà un comportement délétère qu'on déploie avec notre police. Vous avez vu dernièrement un policier qui défiait une maman, une pauvre femme qui est vulnérable. Et si cette maman-là continuait à échanger avec ces policiers-là, qu'est-ce qu'il y allait avoir lieu? Donc, je demanderai au commandant de la police, qui est l'inspecteur, le commissaire général de la police, si le plan de recrutement de la police, il est grand temps de revoir cette histoire. Très bien. Vers le vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous parle en qualité d'un citoyen congolais. Je vous inviterai à conscientiser votre garde. Parce qu'ils sont pas, ils sont à la énième forfait. Vous le saviez. Ils ont fait ça avec le 11 janvier. Ils ont fait ça avec la maman du chef de l'État. Ils ont fait ça. La sœur du chef de l'État. La sœur du chef de l'État. Est-ce que c'est toujours Jean-Marc Kabound? Est-ce que c'est prémédité? Je me pose aussi cette question-là, une question qui est en train de tarauder mon esprit. Est-ce que c'est prémédité? Très bien. Je ne vais pas donner cette connotation-là. On va terminer l'émission. Dernière question. C'est connu de tous que la police, l'armée, c'est des services commandés. Est-ce qu'il revient, par exemple, à Jean-Marc Kabound, qui est civil, de donner l'ordre à l'officier qui supervise les policiers qui marchent avec lui, d'aller menacer ceux qui ne marchent pas bien ou ceux qui ne conduisent pas bien sur la route? D'autant plus que ces policiers ne font pas partie de la police de circulation routière. Est-ce que ce n'est pas aussi pour Jean-Marc Kabound dépasser ses limites? C'est vrai, les limites des actes répréhensibles à la loi. Je me fais une idée, je me pose la question. Même ces policiers, la théorie, je vais dire ça comme ça, la théorie de la baïonnette intelligente, c'est un ordre mal donné. Moi, en tant qu'exécutant, on ne peut pas l'exécuter. Si c'est s'avère que, mais est-ce que nos Jean-Marc Kabound qui a donné l'ordre, cette notion, nos policiers, est-ce qu'ils maîtrisent la notion que c'est la notion selon laquelle un ordre mal donné, on ne l'exécute pas?
Mais attends, je vous ai dit, il faut commencer par... Comment est-ce que s'est fait le recrutement des policiers? Il faut commencer par là. Est-ce qu'ils sont passés par cette école-là? Nous, on fait une école de la police ici à Matete. Dites-moi, qui sont étudiants là-bas? Est-ce qu'on continue encore à enseigner là-bas? Je me pose cette question-là. En dehors de l'école militaire que nous... De l'école militaire que nous chassent depuis de l'autre côté. Dites-moi, est-ce que cette école-là continue à fonctionner? Je me pose la question. C'est le général Kanyama qui est là, je crois, qu'on avait envoyé. Oui. Alors, les recrutements déjà posent problème. La théorie de la baïonnette intelligente, ça, c'est souvent, nous, on les apprend par rapport au service de sécurité. Ils le savent. Très bien. À moins qu'ils soient ignorants de cela. Et je sous-entends aussi que je m'inscris en faux que c'est Jean Macaboul qui a donné l'ordre. Parmi les policiers, il y a un commandant. Mais il pouvait calmer. Qu'est-ce qu'il a fait les commandants? La situation. Mais moi et vous, dans les images, on n'a pas vu Jean Macaboul. C'est là où je condamne la descente de la garde républicaine à l'habitation de Jean Macaboul. Très bien. Jean Macaboul n'était pas là. Je ne prends pas sa place, évidemment. Mais ce qui est vrai, il y a eu des actes répréhensibles commis par les policiers et par la garde républicaine. Donc, les responsabilités sont partagées et il faut que la justice puisse faire son travail. Les responsabilités sont partagées et aujourd'hui, au niveau de l'UDPS, les combattants sont aujourd'hui sont également divisés. Vous avez appris l'agression dont a été victime Emmanuel Tshibambe au niveau des Sosimat. Il a des blessures au niveau de sa figure. Il a été menacé, selon lui, par les militants même de l'UDPS. Alors que lui-même, c'est aussi un communicateur de l'UDPS. On l'a dépouillé de tout. Sauf son téléphone et son passeport. Mais il a tout perdu en tout cas. J'ai compatis avec mon jeune frère Emmanuel Tshibambe. Emmanuel, je suis désolé de ce qui vient de t'arriver. Je ne sais pas à base de quoi ils ont fait cet acte-là. Quelles sont les intentions? C'était seulement pour nuire à la vie d'une personne. Selon lui, il a été agressé parce qu'il a pris position. Je sais qu'il y a un tweet qui est passé. Il y a un tweet qu'Emmanuel a fait une déclaration. C'est vrai que c'est une position. Il a défendu sa position. Très bien. Mais sauf que moi, en tant qu'intellectuel, je me dis les responsabilités sont partagées. Très bien. Les actes, je dis bien les actes répréhensibles. Les faits de venir arracher ou de désarmer la garde républicaine qui n'est pas autorisée aux policiers. Et le fait que la garde républicaine puisse descendre à la résidence de Jean Macaboul, qui a des immunités parlementaires, ce sont des actes que nous condamnons de part et d'autre, que nous demanderions que ça ne se répète plus, et que nous demanderons aussi au vice-président de l'Assemblée nationale de se comporter en homme d'État. Parce que s'il y a des bavures qui se créent toujours à votre nom, et en plus, que d'autres commandants estiment que c'est prémédité parce que ça va toujours vers la famille du chef de l'État. Or, le chef de l'État, c'est son chef hiérarchique sur le plan de l'État, et c'est son chef du parti aussi, à ne pas oublier que Jean Macaboul, c'est un président AI de l'IDPS, donc il y a un président quelque part. Très bien, c'était Michel Interminé. Je vous en prie. Merci à vous, Wilson Mounzemba, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Albert. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir.